Je vais faire un peu de ménage. On fera ça plutôt demain. Les visites commencent demain à 9h, n'oublie pas. Ça va intéresser de jeunes acheteurs à cause des étages. Et mes filles montent. On pourrait sûrement obtenir $1 million, peut-être plus. Je ne veux pas que Lily agisse comme si c'était notre mère. Je vous retrouve demain, comme convenu, à 8h30. Nous adorons ton travail, Alex. Actuellement, le marché est plutôt tourné vers de jeunes artistes. Il veut que nous partions. Écoutez, là, c'est vous qui avez le marché en main, d'accord? Des couples m'ont pratiquement offert leur premier enfant. Tout ça, c'est trop compliqué. Relax! Ça, c'est mon travail. J'ai lu plein de choses sur ces portes ouvertes. Les gens volent des objets. Je vais clouer toutes nos affaires au sol. Ils ont arrêté le chauffeur. Attention, stop, Harold, Harold. C'est un succès. Voir si on peut faire tomber ce mur, ça agrandirait la chambre. Ici, un bel espace une fois débarrassé. Je dois m'allonger pour voir si je dormirai bien dans cette chambre. Vous pouvez éteindre cette lumière? Et c'est quoi une chambre d'adolescent? Quoi? Il y a des lits superposés. Ah bah si c'est le cas, tu prends celui du haut. Oh, je trouve ça très joli. Mais regarde. Alors on fait une offre. Non, mais nous n'avons pas encore vendu. On va le vendre. Quand Ruth et moi, nous nous sommes installés à Brooklyn. Nous aimions cet endroit, ça tombait bien. J'adore, c'est génial. Regarde toute cette clarté. Oui, parce qu'on veut rouvrir le marché. On ne veut plus de votre appartement. Et j'espère que vous en tirez au moins 1 million. On a toujours fait ce qu'on voulait. On s'est mariés quand c'était encore illégal dans une trentaine d'États. Alors dis-moi, c'est quoi trouver un appartement comparé à tout ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qu'on recherche? On ne sait pas construire une belle vie. Vous perdez cet appart? Quelle importance! J'en ai beaucoup d'autres! Nous pouvons faire exactement ce que nous voulons. Top la route !